Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre quatrième épisode sur Silent Hill, en compagnie de Harry machin chose là, qui est juste là, qu'on pouvait pas voir à cause du plan de Mackay. Donc, il y a un truc que j'avais oublié de vous préciser, l'épisode 2 et 3 ainsi que celui-même sont tournés à la suite. Donc, c'est normal si je vois pas vos commentaires. Donc, merde, je crois que j'ai fait une connerie que... Bon, de toute façon, j'ai tué les monstres dans le dernier épisode. Et cette musique en fond, elle est stressante, ça m'énerve. Donc, à ce qui paraît, j'étais pas obligé de tuer ces petits monstres. Donc, on peut toujours pas rentrer dans le hall et dans le truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va monter à l'étage. Voilà, on va monter à l'étage. J'espère ne pas rencontrer de monstres. Et bon, je crois que je parle trop vite. Bon, pour l'instant, il n'y a pas la musique. Donc, tout a l'air normal. Non! Il y a la musique! C'est génial. Donc, je suis où, là? Merde. Classroom, super. Je sais pas où je suis. Et par contre, il y a des monstres parce que j'entends... Ah! Merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Tiens, toi, tu te prends ça. Prends-toi le coup de pied. Retour. Et tu vas te prendre mon pied, toi aussi. Par contre, niveau vie, là, la manette à vibre, je suis dans la merde. Ah, oh, mais c'était le dernier. Bon, j'espère qu'on en trouvera d'autres. Ah ouais, mais je fais le con. En même temps, c'est sûr que... Voilà. T'es mort. Plus de musique stressante. Ça fait du bien. Ah, oh, cool. Une boisson. Je prends. Rien d'utile. Eh, vous croyez que si je vérifie tous les pupitres, à un moment, je vais trouver quelque chose? On dirait. C'est bizarre. Celui-là, il est... Non. C'était juste mon hallucination. Enfin, mon imagination, j'hallucinais. Il y a quelque chose là, non. C'est rien. Là, il y a quelque chose... Non, il y a que dalle. On va aller dans cette pièce. Rien d'utile dans le pupitre. Il n'y a pas l'air d'avoir de monstre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Rien. Sur le tableau, il n'y a rien non plus. 1, 2, 3, ouais, d'accord. Là, il y a hier. Oula, il y a hier. Il n'y a l'air de rien avoir. Lab Equipment Room. Donc en gros, j'ai fait ces deux classes pour rien. C'est génial. Dans le Lab Equipment Room, on dirait. Ça se trouve, il y a des armes. Vous savez, un genre de produit chimique qu'on va vous balancer à la gueule. Par contre, il y a des ennemis, j'aime pas trop ça. Et merde. Casse-toi. Ah. Tiens, toi tu bouffes ça. Toi tu te bouffes ça. Bouffe-toi ça. J'ai dit bouffe-toi ça. Non, ça va pas, tant pis. Je suis à quoi comme... On va attendre hein, avant d'utiliser. Même si ça me fait peur. De toute façon, ça tombe bien si je meurs, ça me permettra d'économiser donc le dernier truc que j'ai utilisé. J'irai directement dans la deuxième salle comme je sais. Oh là. Ah les amis, je stresse. Je le sens mal. On se barre. Mais comment ils ont fait eux pour venir? Aïe, merde. Demi-tour. Voilà, normalement il est mort. Anyway, je crois que c'est le moment d'utiliser.
Voilà. Bon, maintenant, il va falloir que je me débrouille sans les trucs. Sans les boissons. Du coup, on va aller là. On va aller là. Oh non. Ah putain, mais pourquoi il y a cette musique de merde? C'est quoi ça? Produit chimique. Ah, je vous jure, j'ai horreur de ce son. Je fais... Ah, il y a un ennemi là. On va sécuriser les couloirs, vous savez quoi les amis? Pour ne pas se faire surprendre. Non, ça va, y a rien. Donc... Cette salle, je l'ai fait, on va aller à Chemistry Lab. En espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis. C'est quoi ça? C'est une main? La main est fermée comme si... Attendez, j'ai une idée. C'est où là? Non, déjà c'est pas ça. On va prendre ça, utiliser. Oh! C'est génial, c'est ça. Médaillon d'or. Attendez, ça va pas dans la fonte, vous savez qu'on avait eu dans le dernier épisode. Ah, il y a des balles là, génial. Ça se trouve, ça va dans la... Enfin voilà, dans la fonte. Ben on va y aller. Juste, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose ici. Tourne-toi là, voilà là. Il y a que dalle, c'était un fail. Juste avant, on va vérifier s'il n'y a pas quelque... Oh putain! Oh putain! Les gars, on se... Ah! Mais attendez, comment ça se fait qu'ils sont là? Je les ai tués. Casse-toi! Il est mort. Non, il est pas mort, justement. Tiens, prends-toi ça. Et toi... Ah, il se relève. Ouh. Niveau vie, là, par contre, je suis dans la merde. Non, ça va, je peux utiliser maintenant. Ce qu'on va faire, c'est... On va aller mettre l'objet dans la fente. Juste, où est-ce que je dois passer déjà? Donc, faut... Ah oui, faut que je sorte. Donc, finalement, on va pas aller dans la réserve de la librairie. On va descendre. Juste, j'espère ne pas croiser de monstres. Je pense qu'ils ont respawné. Hein. Si c'est le cas, bah, je suis dans la merde. Ah, je le sens mal. Voilà, donc on va mettre là. Un soleil doré. Oh, je me tourne tout le temps de bouton, ça m'énerve. Ah voilà, c'était ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc normalement là, ça veut dire que ça a ouvert la porte, non? Oh non, maintenant il va falloir trouver un autre médaillon. Je sais pas où est-ce que ça pète. Locker room, library reserve. Ma foi, je sais pas. Alors juste attendez 2 secondes, je fais une courte ellipse, je dois faire quelque chose. Allez, à de suite. Voilà, re les amis, donc c'est reparti, donc je suis où? Je sais même plus où je suis. Bah attendez, je vais vous dire ça. Alors, voilà, on va aller à gauche.
Allez, c'est parti. Donc, on est le lendemain après avoir tourné la première partie. Donc, c'est une longue ellipse, je sais. En tout cas, pour moi, oui, une longue ellipse. Pour vous, ça fait rien. Donc, voilà. Dommage, je suis dans le jour, donc ça va me faire un peu moins peur. Mais bon. Plus mieux. Donc, faut passer par la porte, là. C'est ouvert. Ouais, d'accord. Si c'est ouvert, pourquoi tu m'as marqué ce message? Voilà, donc, faut faire bien attention à bien les tuer. L'ennemi, frappez, voilà. Coup de pied dans les couilles. Et toi, coup de pied dans le ventre. Alors, où est-ce qu'on est? Ouais, j'ai marché un peu loin. Donc on va se diriger vers la music room. Y a pas de monstre ici. Je suis comme... Oh, un piano! Niveau vie, bah bof. Regardez, il y a un piano. Attendez, il n'y a pas une histoire avec piano. Un truc comme ça que j'ai eu. Attendez, c'est quoi ça? C'est écrit avec du sang. Le conte des oiseaux s'envoie. D'abord arrive le pélican, glouton, avide d'avoir sa pitance et battant ses ailes blanches. Puis approche un pigeon silencieux qui dépasse le pélican d'autant qu'il le peut. Un corbeau arrive alors volant plus haut que le pigeon pour montrer ce qu'il peut faire. Un cygne effectue un vol plané, cherchant un endroit paisible près d'un autre oiseau. Enfin, elle arrive, une corneille, qu'elle s'arrête rapidement, qui bat les ailes. Qui va montrer le chemin? Qui trouvera la clé qui conduira à la récompense argentée? Alors, faut trouver un truc, ouais. J'ai pas tout compris là, les amis, je dois vous avouer. Bon, ben, on va essayer de jouer du piano. Alors, il y a du sang sur certaines touches. Cela signifierait-il quelque chose? Bon. Ok! Alors, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 touches. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah! Cette touche, je peux la jouer. Celle-là, je peux la jouer. Celle-là, je peux pas la jouer, celle-là? Ah non. Ok, alors faudrait faire. Ah oui, celle-là. Ouh, les amis, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on va faire? Attendez! Donc, attendez. Ce qu'on va faire, c'est... Le conte des oiseaux s'envoie. Pélican. D'accord. Je crois que j'ai compris. Donc, aile blanche. Donc, d'abord, on va commencer par le blanc. Il me faudrait un stylo et un bout de papier. Alors, attendez, les amis, je vais trouver ça de suite. Aïe, merde. Ah, putain. Alors, juste quand je vois si c'est pas coupé. Non, ça va, le son c'est pas coupé. L'enregistrement est en marche. Donc, tout est ok. Alors, vite un bout de papier, parce que j'aimerais pas vous faire patienter trop longtemps. C'est quoi ça? Manuel de Samsung. Je n'en ai pas besoin. Allez. Alors, d'abord un blanc. Il faut d'abord jouer une lettre. Super, les stylos qui marchent pas. Alors d'abord il y a blanc. Un pigeon silencieux qui dépasse le pélican d'autant qu'il peut. Donc après faut une touche après le blanc. Ouais. Un corbeau, donc le corbeau c'est noir, volant plus haut que le pigeon. Donc
Après, faut que ce soit la touche juste après noir. Voulant plus haut. Ouais. Un cygne effectue un vol plané. Donc faut soit aller vers la droite, tout à droite. Tout à droite. Voilà. Enfin arrive une corneille. Elle s'arrête rapidement, puis bâille et sommeille. Enfin arrive une corneille. Elle s'arrête rapidement, puis bâille et sommeille. Donc faudrait refaire la même que la dernière, sûrement. Alors attendez, ben on va voir. Hein. Alors. Wow, c'est compliqué. Alors. On va jouer du piano. Donc d'abord, faut trouver le premier blanc. Ouais. Ok. Non. Faudrait commencer par celle-là. Non. Donc c'est pas bon. Non. Alors, faudrait commencer par le blanc. Blanc. Puis encore blanc. Puis après, au-dessus. Tout à droite. Non. On va recommencer. Merde. Non, vol plané. Donc un vol plané. Ok. Donc on va essayer comme ça. Wouah, c'est compliqué. On va revoir un peu l'astuce. Le conte des oiseaux s'en va. Donc la troisième. La troisième. Qui dépasse le pélican d'autant qu'il le peut. Ah, alors ça voudrait dire qu'il est genre tout à droite ou presque. Un corbeau arrive alors volant plus haut que le pi. Il était où le pigeon? Oh putain, attendez, on va recommencer. Pélican. Glouton, donc elle blanche. Trop. Ouais, donc ce serait sûrement la troisième. Après, un corbeau arrive alors volant plus. Le pigeon, donc il va plus loin qu'il le peut. Donc ce serait vers une des dernières. Un cygne effectue un vol plein. Ouais. Je pense avoir trouvé. Alors attendez, hein, on va vérifier. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est. Je vais compter les touches. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va essayer, vous savez quoi. Donc celle-là. Alors, attendez, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc après, on va faire. Ouais. C'est compliqué, hein?
Donc. Non. Donc, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce qu'il faut enlever celle qui compte pas? Ah, attendez. Non. On va faire ça. Merde, j'ai quitté sans faire exprès. Ouah, c'est compliqué les amis, hein. Alors. Mais je sais pas si celles qui font ça, si elles marchent. Sept, huit, neuf, dix, onze, huit, mais ça ne marche pas. Alors on va faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix, onze, douze. Vous savez quoi, on va faire au pif. Faut que je retienne. Ouais, on va relire encore une fois le truc. Hein. C'est écrit avec du sang. Donc le conte des oiseaux sans voix. Attendez, sans voix. Donc ça veut dire que c'est les touches qui n'ont pas de. D'accord, et d'où le piano silencieux. D'accord. Je comprends mieux. Donc faut pas avoir les touches qui font du bruit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8. Ouais, donc je pense que c'est ça, c'est les celles qui marchent pas. Oh! GG. Ah cool. Donc oui, je le prends. Voilà, donc il suffisait de faire. Je vais vous remonter. Ah non, ça marche plus. Bon, vous verrez, c'est le dernier truc. Donc c'est les touches qui ne marchent pas. Donc voilà. Par contre, là j'ai un peu peur. Là j'ai pas envie que les ennemis respawn. Et je. J'ai plus de. D'herbe. Donc on va regarder la carte vite fait. Ça fait combien de temps là que je tourne? Pour la deuxième partie, 14 minutes. Non, là vous en êtes à 25 minutes de vidéo normalement. Hein? Pourquoi c'est monté? Locker. Locker room. On va descendre. Hein. Normalement, il n'y a pas d'ennemis. Je dis bien normalement.
pitié pas d'ennemis, normalement j'ai tué. Ça va. Une mine argentée. Ah purée, c'est pas cette touche. Voilà, use. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oula. Je crois que j'aurais dû aller sauvegarder. Attendez, on va vite sauvegarder. Allez, mais monte, cette espèce d'andouille. Ah! Ah, on se barre. Enfin, je me barre. Normalement, là, j'ai plus de vie. Trousse. Ah, lui, c'est bon. Et lui? Ne te relève pas, ne te relève pas. Tiens. Ouf. Oh, j'ai stressé. Non, c'est pas ça, c'est l'infirmerie. Et voilà, 1h32 de jeu. Il n'y a rien d'autre. Purée. Bon, bah je crois que je vais m'arrêter là du coup. Ça aura été un épisode éprouvant. Enfin, pour moi, hein, pas pour vous. Voilà, donc sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire si c'est le cas. Et voilà, ben moi, je vous dis à la prochaine. Stay enjoy et peace tout le monde. Ciao.